Bonjour tout le monde et bienvenue sur Tech et Plus. C'est toujours moi et Abraham L'Espérance qui est avec vous pour deuxième partie dans la série tutoriel sur Nextcloud là. J'ai noté ça dans la première partie, hein, il est important pour nous gagner un propre serveur cloud par où, parce que l'heure tendait mon appétit de gagner données sur cloud, gagner données sur nuage, gagner données dans nuage, etc. J'ai dit ça. Généralement, données ça, c'est pour un côté dans le nuage, là où vous placez. Mais c'est de préférence sur une série de serveurs, sur yon ou plusieurs serveurs, ka yon moun. Donc, c'est yon moun ou bay accès à données confidentielles yon, sans ou pas en compte. Donc, laissez sur Dropbox ou bien sur Google Drive ou mettez yon. Donc, c'est sur serveur Google ou mettez yon. Donc, c'est moun ka Google ou bay accès à données ça yon. Laissez sur OneDrive ou mettez, c'est sur serveur Microsoft. Donc, c'est Microsoft ou bay accès à données ça yon. Notez que nous avons utilisé Nextcloud, qui est un logiciel libre, qui permet de héberger données. Dans la première partie de la série, nous avons créé une machine virtuelle, nous avons installé ensemble Ubuntu Server 18.04 LTS qui veut dire Long Term Support, et puis nous avons tout profité, fait une mise à jour serveur là, et puis installé OpenSSH sous lui, autorisé connexion SSH avec utilisateur root là. Dans la deuxième partie, nous pouvons installer Apache, nous pouvons installer PHP, nous pouvons installer MariaDB, nous pouvons installer une pile de fonctionnalités qui sont importantes pour les prérequis pour Nextcloud et là, nous finissons d'installer Nextcloud. Nous avons une pile de choses importantes pour faire aujourd'hui. Nous pouvons nous connecter sur routeur pour nous capable ouvrir port 80 avec port 443, ça va permettre à monde qui dehors capable de connecter sur serveur Nextcloud noir. Puisque la majorité de mon IP est une adresse IP dynamique, donc son adresse IP qui change de temps en temps, et dans le cas de pour besoin d'un serveur, on a supposé gagner une adresse IP publique. Nous parlons que je dis un sous-DNS pour nous capables créer un sous-domaine qui permet justement, même si l'adresse IP nous a changé, et que nous capable toujours connecter sous serveur pas noir, parce que DNS a toujours fait mise à jour adresse IP noir. Moi-même, moi j'ai une adresse IP publique, donc nous capable d'utiliser adresse IP public moyen ou bien puisque moi j'ai des domaines, donc moi t'es créer un sous-domaine sur un domaine moyen, techinplace.com ou bien n'importe quoi pour moi t'es capable de faire ça. Mais puisque je connais, c'est pas tout le monde qui gagne possibilité ça, donc je préfère passer par DocDNS pour moi créer ce domaine là et puis justement pointer domaine ça vers serveur Nextcloud noir. J'ai nos carrés ça, nous gagnons pile barrière pour nous aujourd'hui, donc on a juste pris une petite pause bien vite et puis on a retourné Kounia. Restez là, pas bouger. Et voilà, nous retournons. J'aime d'abord dire ça avant président, donc nous avons pile barrière pour nous faire. Donc je dis en deuxième partie, en son partie qui est vraiment intéressante. Ça nous permet de temps, donc nous pouvons aller sur la machine pour nous capables de démarrer serveur Nextcloud noir ou bien Ubuntu, comme c'est Ubuntu nous installé sur lui déjà, le programme Nextcloud. Et puis nous pouvons connecter sur lui via SSH. Nous avons utilisé le programme que nous avons monté pour installer qui est le Podi. Pour les gens qui ont une machine virtuelle, donc on peut ouvrir VMware Workstation et puis on va cliquer sur Power on this virtual machine pour capable de démarrer serveur Ubuntu slash Nextcloud. Voilà, donc c'est la fin de démarrer. Donc on a entré login nous. Pas oublier que notre cap amenant c'était NC Admin. Avant le mot de passe là. Et voilà, donc je me connecter sur serveur. Donc ou même ou rentrer non utilisateur port là avec mot de passe port là. Pour nous capable connecter sur serveur ça, donc là important pour nous gagner adresse IP serveur. Donc si nous regardons là, nous prenons compte que adresse IP là, c'est 192.168.18.208. Donc pas bien que si pour la barre affichée là, donc on va toujours taper ifconfig. Ça va permettre ouais qui ça adresse IP où on y est. Donc là côté qui marqué INET là, donc 192.168.18.208. On est capable pratiquement minimiser serveur ça. Donc nous prenons là, donc n'a pas ouvert pas dit. N'a pas adresse IP nous qui c'est 192.168.18.208 comme nous t'ai carré salté, n'a fait entrer. Donc là, on va oublier que m'était dit que n'a pas utilisé user root là pour que chaque n'a pas commande nous obligé à écrire sous dos devant lui. N'a pas taper comme non utilisateur root. N'a pas tribut parce que n'était changé dernièrement. La première partie. Et voilà, là nous connecter avec user root là. Donc c'est une carte nettoyer écran. Voilà, donc là nous prêt. Donc c'est vrai, c'est un écran noir, je dis, c'est pratiquement ça jusqu'à ce que nous finissions d'installer
Nextcloud, donc c'est pratiquement comme ça écran vieux. Donc, le premier bain à faire, c'est comme d'habitude, c'est pour nous regarder est-ce que pas une mise à jour, donc on peut taper apt update. La vérifier est-ce qu'il y a un package qui mérite de faire mise à jour. Voilà, il y a deux packages qui ont fait mise à jour, donc on a tapé apt upgrade. Et pour le cas, demander est-ce que le mettre fait, donc m'a tout dit dash yes, dash y pour lui aller. Ça peut me poser une question, est-ce que le mettre, est-ce que je suis sûr que moi je voulais installer deux ou bien est-ce que moi je voulais upgrade deux paquets de zéro. Voilà, donc c'est pas pile barrage, donc il est fini. Donc on a nettoyé l'écran toujours. Pour les banques, on fait ce serveur ça, c'est installer Apache. Apache qui a une transformée en serveur web. Donc pour nous installer Apache, commande simple, on a tapé app install Apache tout. Et puis on va lancer commande là. Donc on peut entrer. La pando pour confirmer, puisqu'on va mettre tiret Y, donc on dit yes. Et puis là, ça, elle a installé Apache. On a tout monté nos bagages. Pendant la installation Apache, on a tout le temps fini pour montrer nous que nous sommes capables déjà de tester serveur web non pour voir est-ce que Apache est bien installé. Voilà, donc là, il est fini. Donc, nous ouvrons le navigateur, nous avons tapé adresse IP à 192.168. 18.208 entrée. Voilà, donc si Apache finit installé, on suppose justement qu'il y a une page comme ça. Donc nous pourquoi faire un page ça, on a juste minimisé. Sauta, on nous compte que les pas bon ça, alors qu'on finit installé Apache, donc on va bien pour taper système CTL start Apache tout. Ça va permettre que lui démarrer serveur et Apache. Le bagage pour nous faire, donc c'est pour nous autoriser à partir pour démarrer tête pour contrôler comme ça même si serveur a éteint donc les serveurs ont démarré serveur à partir a tout lancé donc pour nous faire ça on a bien pour nous taper système CTL enable Apache tout et puis on a fait entrer donc automatiquement l'app activé option 1. Donc écran est plein le bagage on a nettoyé le bagage pour nous faire on a bien pour installer MariaDB de ça donc c'est MariaDB qui peut aller gérer base de données Nextcloud. Donc pour nous faire ça, on a bien pour nous taper app install MariaDB-server. Ça va taper entrer. Après, pour confirmer, on va taper Y et pour faire entrer. Et puis là, ça, l'app installer MariaDB sur serveur. Voilà. Le MariaDB est fini installé. On a bien pour nous sécuriser l'installation MariaDB. Donc pour ça, nous avons l'autre commande nous pour lancer et après ça, là, nous finissons. Voilà, installation finie. Donc pour nous sécuriser MariaDB, nous bien pour nous taper MySQL underscore secure underscore installation. Nous avons fini d'écrire et puis nous avons pesé entrer. Voilà, donc là, il m'a demandé, donc pour moi, entrer current password pour user root là, dans MariaDB, puisque nous faisons l'installation que nous faisons faire, nous faisons installer MariaDB, donc nous pouvons créer le mot de passe pour lui, donc le mot de passe là n'a quitté le vide par conséquent, donc le mot de passe pour entrer, nous ne pouvons pas entrer, nous avons juste pesé entrer. Il m'a dit yes, moi je voulais créer le mot de passe là, il a dit que c'est le mot de passe là, donc là ça va rentrer mot de passe là. L'important pour changer le mot de passe là, donc là il faut noter le mot de passe là, il pour confirmer le mot de passe là. Donc là, d'où est-ce que vous voulez pour retirer n'importe l'autre user qui est anonyme sur serveur MariaDB ou là? On va dire oui, vous voulez faire ça? La commande est-ce que lui mettre désactiver root login sur remotely sur MariaDB? Nous pas besoin lui donc on a dit oui, lui mettre désactiver lui. Est-ce que gon database test qui était créé par défaut pendant l'installation MariaDB? Donc est-ce que vous voulez pour l'effacer base de données ça, donc database ça, on a dit oui, lui mettre retirer lui. Donc il a demandé est-ce que lui mettre recharger tout privilège tableau qu'il y a là. Donc nous dit oui, lui mettre faire ça. Et voilà, donc serveur MariaDB là fin installé sans problème. L'autre bail est plus important pour nous installer, il faut que nous installer libapache avec PHP, etc. Donc son circuit utilitaire qui est important pour Nextcloud. Donc pour nous installer, on nous nettoyer l'écran d'abord, on a tapé clear. Voilà, donc commande lancer app install PHP libapache tout dash mod dash PHP avec PHP dash MySQL. Voilà, donc il dit mais qui s'appelle pour installer donc libapache dash mod dash php 7
7.2, etc. Donc, nous dit pas de problème, nous mettons installé. Donc, nous dit Y, entrée. Donc, voilà, il finit avec l'installation. Donc, on a ça là. Pour installer, il faut que nous installions PHP My Admin. Nous n'avons pas vraiment besoin de lui. Bon, on connaît, puis devant, nous avons besoin de lui. Donc, on a tapé App Install PHP My Admin. On a pesé Entrée. Et puis, on a confirmé par Y que oui, nous voulons installer lui. Pendant la installation, donc ma visuine a monté nos bagages. Donc, on a si nous prenons, mais on a décidé ça. Nous entrons là, nous collons les. Nous marquons slash PHP My Admin. Voilà, les dîners pour venir. Donc, probablement, le pour finir installer. Nous attendons de finir installer. On regarde là, nous à 74%, 75%. Donc, PHP My Admin a presque fini installé. Demande à moi de vitesse d'être tout, toujours qu'on est que ça prend plus de temps ou bien moins de temps de spam. Moi, j'ai un internet qui est relativement rapide. Donc voilà, donc la PHP qui serveur web utilisé. Donc c'est Apache 2. Donc ma vais peser Spacebar pour me sélectionner Apache 2. Ma fait Tab pour aller sur OK et ma peser Entrée. Donc est-ce que je vais mettre configurer database pour PHP My Admin? Ma dit oui. Les modems qui mot de passe, moi je les bail pour user MySQL là, m'a dit les. Mais mot de passe, donc entrer mot de passe, vous voulez à vous-même. Mais si vous connaissez que faut que vous changez mot de passe, vous entrer, donc m'a confirmé mot de passe là. Mais ça vous connaît puisque vous avez là, nous avons utilisé une connexion qui passe secure, donc c'est HTTP lié. Donc l'utilisateur nous balle, nous créer là, pas même qu'à connecter sur PHP MyAdmin. Donc c'est fait test là après ça pour nous. Voilà, donc la PHP My Admin fin installée. Donc nous pouvons aller sur la page sac pas de machine, on a fait refresh. Et voilà, PHP My Admin connecté. Donc on a un David Nam qui tape route. Et puis on a un mot de passe là qui est bon. Je ne suis pas capable de connecter parce que la connexion utilisée. Voilà, donc access denied for user route at local host. Donc parce que justement la connexion utilisée, son connexion qui passe. Et puis nous choisissons pour nous connecter sur lui avec l'utilisateur route là. Donc pour nous résoudre le problème, ça n'a fait, nous pouvons aller créer. Il y a une base de données, créer un utilisateur et puis après ça, on a bien essayé de connecter sur lui, on a pu tout bien marcher. Donc, on a tourné, nous pouvons aller, on a pris, on a ouvert le body, donc nous pouvons aller nettoyer l'écran. Donc, pour bien faire la casse, c'est aller justement sur MariaDB pour nous capable créer un utilisateur là avec un mot de passe. Donc, pour nous faire ça, on a pu taper commande ça. Donc, c'est MySQL-U espace root espace -P. Donc pour nous capables de connecter sur le serveur et MariaDB. Hein. Donc on a demandé mot de passe. Mot de passe, nous sommes entrés dans le serveur MariaDB. Hein. Donc c'est lui-même pour nous entrer. Et voilà, donc là, il dit mon welcome to MariaDB. Donc là, moi, dans le serveur MariaDB. Hein. Donc ça, moi, je voulais faire, c'est d'abord créer une base de données. Donc pour me créer une base de données, je peux entrer. Comment ça? Donc c'est parce que une commande qui est utilisée, que ce soit sur MySQL ou bien sur SQL Server. Donc on dit create database, by nom de la base de données. Hein. Et puis, moi, je me finis avec un point virgule. Donc c'est créer base de données qui relève TNPNCDB et puis point virgule. Donc m'a fait entrer et puis il dit carry OK. Donc c'est que base de données a créé. Après ça m'a créé un utilisateur, m'a bail non utilisateur, m'a tout bali qui mot de passe pour utilisateur la gain. Donc commande la simple, c'est create user et puis on va ouvrir guillemets, on va mettre TNPDB user, on va bali normalement non ouvlé, même c'est non semblé bail pour utilisateur là. Donc make bail simple. Et puis, on va dire, mais qui mot de passe pour les by user. On est capable de dire identify by PAO_SSW0ERD. Donc, c'est password, mais vous voyez. Donc, il me finit avec un point virgule toujours et il me fait entrer. Il dit, OK, OK. Donc, c'est que qu'on y a, moi, j'ai une base de données qui relève TNPNCDB et puis, j'ai un utilisateur qui relève TNPDB user qui gagne pour mot de passe password. Pas de problème. Donc, on y a ça, on va dire, by utilisateur ça. Doit sous base de données ça. Pour me faire ça, m'a dit li, grant usage on asterisk, donc là c'est tout TNPDB user at localhost identified by password. Donc là, m'a balé li. Et voilà, il dit carry OK. Donc, kounya utilisateur là qui a écrit. Dans base de données, donc kounya sambaldi m'a dit utilisateur ça, tout privilège net dans base de données ça. Donc, m'a dit grant all privileges on TNP. NCDB, non difficile, et tout TNPDB user, etc. Donc pour le utilisateur, ça a tout privilège sur base de données. Ça. Donc c'est simple, c'est l'utilisateur qui a été créé en haut, donc nous fait entrer, et voilà,
Kerouya, ok. Donc, on y a pour nous cliquer tout le champ immédiatement. Donc, on a dit pour les flush privilèges. Donc, on peut taper flush privilèges. Et voilà, tout le en forme. On y a plus que tout le en forme. Donc, on y a na pour retourner dans PHP Admin. Nous allons regarder pour nous. Est-ce que et nous capable de connecter? Nous avons dit connecter utilisateur là, c'est TNP DB User. Mot de passe la TP @ssw0rd Nabdigo. Et voilà, nous prenons compte que justement nous gagnons notre note now, nous gagnons une base de données qui relève TNP NCDB et que nous sommes capables de connecter sur le tout bag en forme. Donc nous avons tourné sur Nextcloud Noir. Donc nous avons quitté MariaDB. Donc pour nous quitter, nous avons tapé quit. Entrer et voilà, nous allons dire bye. Donc c'est que moi sorti une série de prérequis que je me suppose installer avant mal installer Nextcloud. Me rappeler si m'installer déjà normalement gagné PHP GD, PHP JSON, moi gagné donc commande la SEP n'a pas entre commande là, c'est apt install PHP. Me rappeler si m'installer déjà, donc n'a pas gardé pour nous si m'installer tout à l'heure, n'a fait entrer. Et oui, on va l'installer. Nous tapons Y. Je me dis, ne pas inquiéter, toute commande ça va mettre en bas. Non, et nos fichiers pour nous capables de télécharger. Voilà, donc nous avons installé déjà. Donc, pas rien qui est installé. En fait, nous avons un seul qui est installé. Pas de problème. Donc, nous avons l'autre fichier que nous supposons installer toujours. Donc, nous avons installé fichier ça. Donc, nous avons tapé app install. PHP dash intl espace PHP dash imagic imagick espace PHP dash xml avec PHP dash zip. Donc n'a pas tout ça yo. Donc n'a pesé m'a tout dit la y dash y pour lui qu'avant même s'il mette ça yo. Et puis n'a pesé entrer et voilà. Donc les tout lancer installation automatique. Là, il a déjà dit que j'ai gagné 63.7 MB qui peuvent télécharger. Et voilà. Donc là, il a fini d'installer tout le prérequis. Donc, je pense que je n'ai pas raté aucun prérequis. Donc, si pendant ma fête, il a gagné un problème, donc là, ça m'a juste corrigé pour le nom pour m'installer le prérequis qui manquait. Donc, c'est ça. Donc, il m'a nettoyé encore. Et là, nous pourrons aller sur le site. Donc là, moi, sur le site Nextcloud là. Donc c'est nextcloud.com. Donc l'offre privée. Généralement, c'est l'arrivée. Donc l'arrivée là, on vient là dans Get Nextcloud. Vous cliquez sur Server Package. Et puis là, au lieu que je clique sur ça, je clique sur Details and Download Options. Donc, je vais option ça. Donc, ça nous pourrons besoin de télécharger, c'est ça, actuellement la dernière version, c'est version 15.0.5 là. Donc c'est ça nous besoin. Et on a fait clic droit pour nous capable copier le lien. On a fait copier link, mettre minimiser le. On a tapé wget, wget, on a fait espace et puis on a collé le lien. Ça c'est le lien que je fais télécharger, copier sur le site. Donc c'est https://. On est mort au fait même là, ça peut nous permettre que AutoJoot installer dernière version et Nextcloud là. Donc c'est toujours sur site là pour aller vous prendre le lien pour capable toujours gagner dernière version. Donc le mouvement là m'a vu se faire entrer et voilà. Donc il commencer avec téléchargement fichier ça, mes fichiers Nextcloud là qui sont fichiers qui zippé. Donc c'est Nextcloud dash 15.0.5.tar.bz2. Donc on attend que téléchargement ça finit pour nous capable de déployer Nextcloud sans problème. La boîte là m'a téléchargé à plus que 1 MB par seconde. Donc moi vous êtes qui pas mal du tout. Donc ça fait moins d'être fini. Donc même voilà qu'à prendre plus de temps que ça. Donc là elle est finie, on a regardé est-ce que fichier a téléchargé vrai. Donc on a tapé ls espace -al et voilà. Donc ça c'est fichier nous fait télécharger, mais je me dis non, c'est un fichier qui zippé. Donc ça n'a fait pour nous capable de zipper. Donc n'a dit
nous utilisons comment pour nous faire ça. Donc, nous avons tapé tar espace dash xvf espace, et puis c'est même dans le fichier ça que nous copions, nous mettons derrière lui, donc, et puis nous avons fait entrer. Et le ça l'a décompressé des folders Nextcloud ça, qui est ZPA, pour nous capables de gagner un vrai folder qui est dans là, qui est un folder qui est Nextcloud. Donc pour nous vérifier est-ce que c'est vrai, nous avons tapé même comme tout à l'heure, donc ls espace-al, nous pouvons entrer. Nous avons rendu compte que nous avons un folder que nous avons gagné tout à l'heure, nous avons un folder ça que le folder Nextcloud ça. Donc, ça nous fait qu'on a déplacé nous pour aller en dans folder ça. Pour nous faire ça, on a tapé CD et puis comme si nous mettons juste copier folder ça. Nous coller les devant, nous fait entrer et voilà qu'on a nos répertoires nous en dans folder ça. Donc si nous t'a fait par exemple ls-al, voilà, on a pour nous copier tout fichier qui est dans folder. Donc tout ça c'est fichier Nextcloud. Donc, pour nous déplacer fichier ça, on fait ça kounya. Donc, pour nous déplacer, nous pouvons mettre fichier ça dans un répertoire. C'est répertoire var www/html. Répertoire ça, c'est lui-même qui gagne fichier Ubuntu et Apache ça. Donc, nous pouvons obliger mettre tout fichier Nextcloud dans répertoire ça. Ça va permettre que qu'on y aller nous refresh par ça au lieu nous gagner à partir qui paraît n'a bien de référence Nextcloud qui paraît. Donc ça nous va le faire. Donc j'aimerais dire nous donc répertoire là c'est relé double. D'abord on a dit commande pour move là, donc on a déplacé tout fichier ça honnête. Donc on a tapé mv espace point slash forward là on a pas trouvé répertoire là, répertoire là c'est var www.html. Donc c'est probablement le moment pour nous ouvrir WinSCP pour nous aller dans justement dans le répertoire ça pour nous voir qui s'agit là-dedans. Donc on a ouvert WinSCP. Donc il ouvre sur l'autre écran, m'a venir avec lui. Voilà, donc m'a entré adresse IP serveur noir, donc 192.168.18.208. Adresse IP m'a utilisé souvent, t'aimes bien copier dans la mémoire machine. Non? Ok, dans l'utilisateur là, donc c'est root. Mot de passe là, c'est mot de passe noté bail là. Là, m'a connecté sur serveur Ubuntu. Hein? Donc c'est dans l'utilisateur Ubuntu hein, avec root là, avec mot de passe root là. Donc on fait login. Là, m'a dit pour me valider le certificat avec Léa, m'a dit oui. Et voilà. Donc là, mes fichiers nous téléchargés tout à l'heure. Donc, mais là nous fin décompresser mes folder li bay là, donc c'est dans folder ça nous y est là, donc c'est folder à ça. Donc on y a tu me faut minimiser ça, voilà, m'ai tout même côté. Donc on y a si nous regardez, moi dit que nous aller dans répertoire var slash www slash html. Donc on a pour faire back, on a sorti, nous pour aller dans var, mais var l'ensemble là nous venons var, nous allons dans 3w, mais 3w. Et puis nous pouvons aller dans HTML. HTML. Donc nous avons un seul fichier qui est index. Donc index.html, ça, c'est fichier ça. C'est le même log qui est là, qui est donc, là, nous fin lancer commande ça, nous pouvons pratiquement déployer Nextcloud en dedans répertoire ça. Donc c'est ça, nous passons commande ça, move, mv, et puis nous dit qui côté pour le move, tout fichier ça. Pas oublier que avant de déplacer dans le folder Nextcloud, là, pour nous déca, et lancer commande là. Donc ça n'a fait, donc n'a plus pesé entrer. Le dim destination manqué, donc c'est pas grave, c'est parce que m'a oublié mettre slash forward pour me finir commande. Voilà, donc nous fait entrer. Oh ya, moi qui est manqué. Donc m'a venu là. M'a mettre move n'a pas aller. Voilà. Et puis kounya moi mettre espace, mettre répertoire là. Voilà. Donc moi dit pour le move tout ça quand dans sa net vers répertoire ça. Donc on y a m'a venir là, m'a dit entrer et voilà, yo move. Si on y a m'bin là, da refresh par ça. Voilà, nous voyons qu'on y a tout fichier nous te gain là yo venir là-dedans. Si on y a n'a regardé est-ce que tout allait, donc n'a tapé ls espace -al.
Là, pour nous, on a deux fichiers qui étaient en dans folder Nextcloud. Là. C'est fichier .htaccess là, avec fichier .user.ini. Ça. C'est parce que deux fichiers, ça, c'est deux fichiers qui hide, c'est fichiers cachés. Donc, pour nous capables de déplacer, on a obligé de déplacer, grain par grain. Donc, c'est pour continuer. Pas un problème. Donc, on a fait pratiquement utiliser la même commande là. Et on a utilisé commande move. La seule différence, puisque là c'est un seul fichier map déplacé, donc on a besoin de mettre point slash forward et astérix là, astérix c'est un décadé c'est tout, donc là m'a juste dit directement mais qui fichier m'a fait déplacer, donc c'est slash et point slash point ht access là, là etc. Donc mais même folder là m'a dit entrer, et puis si m'a lst là encore, n'a pas encore connu à son seul critère c'est user ini, pas un problème, m'a juste copier les. Et ma vina là, monter même comme tout à l'heure, mais là la seule différence, au lieu de me mettre acheter access, ma pour placer le port user ini. En fait, là, tu utilises body, donc là, sélectionner un bagage dans l'écran, ça, donc automatiquement tout copier. Donc pour coller, là, juste cliquer, faire clic droit avec souris, donc là, ça va tout copier, tout coller automatiquement pour coller. Donc là, c'est ça, donc ma vie se peut entrer. Et voilà, les mots qu'on a six mois à venir laisse dans même page là. À prendre compte que tous deux fichiers allez. L'autre bail qu'on a qu'à faire, moi qu'à me faire un ls en dans folder, en dans folder ça, en dans répertoire ça. Ma point justement que tout fichier Nextcloud là dans les. C'est bon dans là, nous avons le problème. Bon, si nous remarquons ça, à prendre compte que moi j'ai deux fichiers seulement là qui s'est gagné comme utilisateur root. Après ça tout reste je dis c'est nobody nobody nobody, donc fichier ça on peut pas mettre parce que moi déplacer au dossier à mettre dans l'autre répertoire, donc beaucoup dire qui est-ce qui met yo. Généralement au Nextcloud il gagne un groupe avec un utilisateur, c'est eux même qui généralement gère fichier ça, donc c'est utilisateur qui relè www-data, donc groupe là il gagne même nom, donc ça m'a fait. D'abord, je vais déplacer pour aller dans le répertoire ça. Donc, dans le répertoire HTML ça. Généralement, on va changer directory. Donc, c'est facile. On va toujours venir avec la commande CDA. CD qui veut dire change directory. Donc, je vais venir avec lui. Je vais dire CD espace. Et je vais aller dans le directory. Dans var www.html. Si on regarde là, on va passer le même qui est là. Var www.html. Donc, c'est facile. Donc, je vais dire entrer. Et voilà, on va regarder qu'on y a là maintenant. Directory ça. Kounia pour moi capable de changer justement groupe ça yo, ou bien fichier ça ou changer propriétaire, donc m'a venir avec yon commande qui gagne dans Ubuntu qui c'est chown qui c'est owner, donc m'a dit chown espace r dash r espace qu'on y a dit d'accord, donc quand me connais tout là, donc c'est tout fichier quand dans folder ça yo point slash astérix bio comme utilisateur avec comme groupe www-data de point www-data, donc que c'est groupe que c'est utilisateur bio www-data, donc on va faire entrer comment de la chambre entrer sans passer sans problème. Si qu'on a moins fait ls al, là on marque justement il a tout changé excepté deux qui pas changé. Nous avons deux qui marquent nobody toujours, nobody pour utilisateur et puis no group pour groupe, nobody pour utilisateur, no group pour groupe. Donc c'est deux fichiers qui étaient cachés, ils ont toujours été hidden, donc c'est deux fichiers ça qui poco changer, donc nous obligé faire changement pour yo séparément, même j'ai une table déplacée on de faire séparément, donc pour yo c'est séparément pour nous faire le tout. Donc c'est même comme dans la lancer, cependant au lieu que nous dit point slash forward astérisque il veut dire tout, on a juste remplacer ça par nom fichier même. Donc là moi venir d'abord moi dit ça, donc on va plus prendre même commande là, m'a effacer ça, m'a écrit de préférence user point ini qui c'est deuxième fichier là. Fait entrer, on y a c'est moi ls là dans les ls espace dash al mon fichier, là on compte qu'on y a que tout fichier net, mais là il y a gagné comme groupe www data
tiret data et puis gagne comme utilisateur www.data. Là moi déjà gagné tout fichier Nextcloud côté pour yoyer. Ce bam gagne moi était pour me faire là pour c'est redémarrer serveur à partir. Pour me faire ça donc m'a taper système CTL restart Apache tout. Donc c'est comme ça réglé, on fait entrer. Et voilà, donc Apache tout fin redémarrer. Quand y a si moi venu là, moi ta refresh par ça, moi supposé gagner Nextcloud qui dit moi pour moi créer premier utilisateur là qui c'est administrateur. M'a fait refresh. Et voilà, donc c'est un bail qui facile. Nous gagnons Nextcloud nous qui fin installé. Quand y a nous été configuration pour nous faire pour nous ta créer utilisateur là. Mais nous pourquoi faire ça? Parce que nous te promettons que n'a tout bail serveur nous accès et un certificat SSL. L'important pour Nextcloud gagner un certificat SSL parce que mon app mette données sous lui. Donc supposé sécuriser liaison entre utilisateur là avec et serveur. Ça qui fait que pas gagne monde qui peut intercepter échange de données qui peut être entre utilisateur là avec serveur là. Actuellement là nous gagne LatinScript qui a bail certificat gratis. Autrefois, les bon certificat, vous êtes supposé acheter, le payer, et puis chaque année pour renouveler. Mais actuellement, là, vous avez un LatinScript qui est capable gratis pour 3 mois. Et chaque, après 3 mois, donc, vous êtes capable de renouveler. Donc, vous avez quand même 10 serveurs que généralement chaque 2 mois pour renouveler. Ça va faire qu'on n'a rien pour faire, que tout le bagage certifié qu'on pas sans problème. Nous allons profiter de ça pour nous capables de servir PANNA et certificat SSL. Mais le bagage que nous supposons faire tout. Parce que LatinScript ou bien Serbot pour vérifier est-ce que il y a accès à serveur ça. C'est pour ça nous avons pour nous ouvrir port 443 qui c'est port HTTPS là. Nous avons pour nous ouvrir port 80 qui c'est port HTTPS. Donc d'abord pour nous faire ça, nous pour aller chercher un sous-domaine. Nous avons pour nous aller sur docdns.org. Donc ça nous fait nous aller sur docdns.org. docdns.org. Moi t'ai qu'à faire directement sur CyberGPAM parce que moi gagne un hosting, moi gagne un adresse IP public, moi gagne plusieurs domaines, donc t'ai qu'à créer un sous-domaine pour ça. Mais moi dis non, il pas fait sens pour moi créer lui puisque majorité monde qui va regarder tutoriel ça, yo pas gagné un adresse IP public. Donc tout adresse IP gagne c'est adresse IP qui dynamique. Probablement c'est internet provider, compagnie internet là qui bail adresse ça. Donc ça arrive de changer à n'importe quel moment. Donc une fois que l'adresse a changé, donc il y a un problème, on ne peut pas connecter sur le serveur ça encore. Donc ça fait l'important pour utiliser DocDNS ou bien plusieurs autres services DNS tout, qui bah, service ça. DocDNS permet de créer jusqu'à 5 sous-domaines sans problème, gratis chéri. Donc là, on a pu utiliser les. Donc là, on va aller sur docdns.org, on peut aller ou cliquer sur mon compte Google, mon compte Gmail, ou cliquer, ou capable de connecter avec lui. Moi-même, moi, j'ai un nom, je connecter avec lui. Ce ben m'a le fait m'a le cacher adresse IP public moi. Donc là m'a juste essayé créer un sous-domaine et on regarde est-ce que DNP cloud m'a dit add sous-domaine s'il est disponible à toi ajouter. Voilà, il dit succès, il toi ajouter. Donc là même si une power dans espace ça là, donc c'est là il mettait adresse IP pas moi actuellement là. Donc mais je me dis non, moi cacher lui parce que c'est une adresse IP public lié, donc pas besoin de lui. Donc non pas besoin pile probablement là dans notre troisième tutoriel on a bien créé un autre sous-domaine pour collaborer en ligne, mais pour qu'on y a là on a juste quitté seul ça. Et l'autre ben a fait nous pour aller sur routeur la caméra, donc on peut aller sur routeur voilà tout. Routeur pas non. Bon, si vous voulez par exemple dire routeur pour lui toujours bail serveur même adresse IP on va qu'on suppose faire on va venir là on va aller dans DHCP reservation et pour pas ajouter lui là on va pas ajouter nom lui on va pas ajouter MAC adresse lui et pour dire mais qui IP pour l'utiliser ou bien on t'a doit juste venir chercher serveur mais pas là c'est ça 208 LAN checker lui là et puis moi dit add client et aussitôt lui ajouter lui là comme adresse statique et puis moi faire save settings. Ça c'est un routeur Cisco, donc il est plus ou moins facile. Et voilà, donc on gagne là, donc quel que soit le mot démarrer serveur, donc là toujours gagne même adresse ça 192.168.18.208. Donc mais fermez ça, donc côté nous pour aller, c'est justement nous pour ouvrir port
4:43, nous pourrons pointer vers le serveur ça. Nous pouvons venir là, nous pouvons aller dans Application and Gaming. Nous gagnons là, dans la liste, nous prenons HTTP. Nous avons juste dit le routeur c'est 208. Nous avons checké ça pour activer lui. Et puis, nous prenons HTTPS. Nous avons gagné là, donc nous avons juste. Bah, non, m'a dit Nextcloud. Nextcloud. Et m'a dit pour la c'est 443. Pour la c'est 443. Et puis il m'a quitté le sous-bof. M'a dit router c'est 200. Serveur c'est 208. M'a checké le. Donc, n'a pas marqué là, m'a gagné l'autre. Autorisation, donc c'est pour serveur Plex moi, donc moi j'ai mon dehors qui m'a accès à serveur Plex là, donc ça fait moi j'ai ça qui déjà là, donc ma vue juste qui est tout checké puis m'a fait save et la pointe temps et voilà, donc on y a d'à supposer capable de connecter sur serveur ça à partir de l'extérieur sans problème. Espérer que ça a été prêt, nous pour aller sous la tourner là sous Podi, nous pourrons installer ces boîtes qui permettent ajouter SSL justement sous serveur noir. Donc ça n'a bien pour nous faire, d'abord on a bien pour nous taper mettre nettoyer quoi clear pour nous carrer puis bien ok app install serbot. Voilà, entrez. Apt install. Ok, je vais faire faute là. Et moi qui fais faute là, donc je vais oublier T à la cert. Donc c'est pour certificat. Donc cert bot, ok. Qu'on y a, c'est un peu. Je vais tout mettre dash yes pour ne pas m'en demander encore. Et voilà, donc là, je vais installer sans problème. Voilà, je vais installer les. Mettre nettoyer l'écran moyen, nettoyer lui. Donc l'autre commande m'a venu utiliser là, donc c'est ça, app install espace python tiret certbot tiret apache. Donc on a installé ça tout, m'a tout dit yes pour le paiement de moi. Voilà, donc là on a les fin installé qu'on y a avant même que moi venu là pour moi ta lancer commande qui permettre que lui tout ajouter certificat sur serveur. Nous pour aller dans WinSCP, nous pour aller dans répertoire ça, parce que si me fait connait la dit que le pas joindre non serveur m'a fait backnet. Nous pour aller dans Etsy, nous pour aller dans Apache tout, nous pour aller dans site available, oui nous pour aller dans ça fichier ça, nous pour modifier, il a fait clic droit sur lui, il a fait edit. Et puis, nous avons venu là, nous avons changé serveur. Serveur, pas oublier que là, nous avons gagné .dns, nous avons dit qui ça, c'est qui ça le taille. C'est ça, nous avons gagné comme adresse serveur. Et ça, nous avons créé comme sous-domaine, donc nous avons copié. Et nous avons venu mettre là, dans la place ça. Ctrl V et puis n'a pas décommenté lui parce que si n'a pas décommenté lui, pas appliquer nous décommenter lui. Et puis là comme comme email, ou quand mettez email ouvre n'a capable mettre support at techinplus.com. donc ça c'est qui ce qui email pour contacter administrateur serveur ça. Donc là nous fini, on a fait sauvegarder, nous mettre fermer lui. Donc on a vu ce que je viens de faire, donc je viens là, je peux toujours démarrer serveur Apache moyen. Moi, je vais me commande ça là déjà. C'était système CTL Restart Apache tout. Nous faisons entrer. Donc là, elle est finie. On a nous pour croiser de nous. Et puis nous pouvons aller essayer de lancer commande pour être capable et ajouter certificat SSL là sur machine. Je vais coller commande là. Donc c'est certbot espace dash dash Apache.
Et je me dis non, une fois qu'on vient faire ça, c'est juste croiser doigt tout. Regardez, il m'a demandé là pour moi entrer, il met l'adresse là, donc m'a rentré sous porte @tekenplus.com. Voilà, il m'a dit là, si moi d'accord pour moi peser A comme aigri, si m'a cancelé pour moi peser C, donc m'a tapé A comme accepté, aigri, et puis m'a pesé entrer sur clavier. Donc là, il m'a dit est-ce que moi je voulais participer non, whatever ça a gagné. Donc moi, m'a dit non, m'a belé. Ou même, je voulais dire oui. Pesé N, entrer. Comme tout à l'heure, justement là, nous sommes modifiés fichier ça pour nous ajouter sous domaine nous ça. Il dit seul le joindre. C'est sous domaine tnpcloud.dns.org là. Et lui-même, je est-ce que c'est lui-même? Si c'est lui, pesez entrer. Si c'est pas lui, pesez cancel. Donc, puisque c'est lui-même, je vais peser entrer. Mais ça, vous connaissez que même si le là, le capable de dire que tout va bien marcher. Ça dépend de est-ce que notre DNS est en fait travailler par là, côté par là. Donc là, je souhaite parce que c'est dans le même fichier à moi, je le mettre directement. Lui-même, il vérifie, il vient dans le fichier. Donc, tout de ça. Donc, m'a juste dit, si vous avez plusieurs domaines où vous mettez, l'étape bon liste là, vous êtes obligé d'entrer chiffre qui est devant. Par exemple, si c'est 1, vous mettez 1, vous faites entrer. Mais comme là, c'est pratiquement les mêmes hommes game, quand il se fait entrer. Et puis là, elle a vérifié. Est-ce que il est capable de connecter sur ce serveur ça? Mais vérification en cours. Ah, il fait des boules de cleaning chain, c'est que tout le en forme. Donc là, il dit moi, est-ce que moi, je voulais. L'homme, on essaie de connecter sur serveur avec HTTP pour lui automatiquement rediriger vers HTTPS qui est sécurisé. M'a dit, Lido, si c'est non, on va taper 1, qui c'est no, no redirection. Si c'est oui, on va cliquer 2, qui c'est redirect. Donc, m'a tapé 2 et m'a pesé entrée. Et voilà, donc, depuis Lido, congratulations, etc., etc., c'est que serveur ou on a gagné accès via et HTTPS, donc ou gagner un certificat SSL1. Donc, on a vérifié là, nous pourrons aller là, on a fait refresh. Il va tout monter, on a juste tapé HTTPS, deux points slash slash devant ligne, fait entrer. Il va commenter. Advance, continue. Ah! C'est vrai, il va monter comme ça parce que ça c'est avec adresse IP. Donc on a venu là, on a tapé TNP, sorry, TNP Cloud, vous voyez ça me démettez, point doc DNS.org. Entrez. Et voilà, donc nous avons accès à serveur. Donc on a n'importe monde dehors qui a connecté sur serveur ou. Si nous venons vérifier là, nous cliquons sur ça, on a le certificat détail. Là, pour nous compte justement que nous gagnons TNP Cloud, etc., qui est valide pour 3 mois. Donc, nous faisons le gradient là, qui c'est 4. Donc, dans 3 mois, donc mois du juillet, là, expiré. Mais en de là, pour nous, pour compter chaque 2 mois, donc, pas de problème. OK, donc, on y a plus que 7 en forme. Donc, ça va les dire nous, pour nous créer compte admin. Donc, on y a, nous capable de faire ça. Moi, je te dis que ce tutoriel la plomb, parce que c'est un tutoriel qui est complet. Donc, je te dis que la plomb, et ça fait me faire la 3 parties. Donc, souffrir, mais au moins, on a porté bonne nouvelle. Donc, on a pu taper utilisateur nouvelé. Dans le cas, ça simple, c'est admin, NDNC admin. Après, on a quitté tout le bail simple, NC admin. On a choisi un mot de passe pour compte administrateur. Ou le mot de passe est compliqué. OK, il est déjà gagné répertoire, ça par défaut. Pour fichier tout utilisateur. Moi, je vais pas me quitter comme ça. Je vais me quitter le répertoire par défaut. Hein. Donc, ça a fait un créer un autre folder. Mettre ça. On dit MK. D'ailleurs, c'est Make Directory. Espace comment directory, ça a appelé. On a appelé le TNP Nextcloud. Et puis, tirer User Data. Ou aller le nom ou même. Même si je me suggère de faire un bug là. User Data. Entrée. Donc, directory en créé, on regarde pour nous, ls-al, non, c'est ls, espace là. Voilà, si nous regardons, main directory,
Donc, nous avons gardé qu'on a directeur Issa, donc le groupe lancé route, bien user assez route. Donc, nous avons changé le pour nous dire non. Donc, à ça, les supposé www-data comme groupe et www-data comme utilisateur. Donc, nous avons fait même comme nous avons fait à l'heure, légèrement différente. Avant, nous avons changé propriétaire. Donc, nous avons fait CH on et puis le groupe là, user et puis qui folder ça. Nous avons fait entrer. On a assez nos vinyles là, nous relancer comme ça. On a pour nous compte que folder ça, voilà, folder nous créer. Donc groupe a changé, utilisateur a changé. Donc on a nos prêts pour nous capables de finir avec configuration Nextcloud noir. Donc nous mettez ça comme mot de passe. On a pu utiliser folder ça, mais folder c'est Lisa, on copie lui. Donc on a ma vinyle là. Map effacer tout ça yo. Map effacer ça. Map coller le contrôle V. Voilà. Donc c'est comme ça. Répétoire ça, c'est un des répétoires ça que tout fichier que l'utilisateur a upload sur serveur Nextcloud en premier. Et puis là, il déjà ouais que c'est un seul gestionnaire de base de données, c'est seul MariaDB. Donc il dit comment l'utilisateur ça relé. Pas oublier que nous avons créé un utilisateur, nous avons relé lui. Moi, je suis relé lui TNP. NC user mot de passe là mot de passe là l'été passe p a base ss w 0 rd et ça base de données a. Donc si nous tendez qu'on y a un bougie fait là, donc c'est parce que moi gagne un inverteur moyen qui démarre qui a chargé batterie. Donc ma moi les bases données à TNP NC DB et puis on a tout quitté là avec localhost là, pas un problème. Et puis on a cliqué sur finish setup. Si on a ça pas bon, pas correct, on va déjà connecté, il va pas marcher. Donc on a fait finish setup. Voilà, donc ça me fait dire là, donc il est pas autorisé lui. Est-ce que c'est ça moi t'ai mis comme utilisateur, moi j'ai juste vérifié. J'ai écrit en côté. OK, donc c'était TNP DB user de préférence. Donc c'était database user et puis base de données am tireleli TNP NC DB. Oui, donc là le correct, il t'a supposé marcher qu'on y a fini setup. Oh, faut me rentrer ça. Mettre mot de passe là pour compte utilisateur et compte administrateur ça. Donc ça c'est généralement compte ou fait cap créer qui pourrait être capable de gérer tout ça qui a passé sur serveur Nextcloud là, c'est compte admin serveur Nextcloud. Donc on va vérifier NC admin mot de passe nous entrer. Donc il faut répertoire ça décrire à correct. Donc il y a utilisateur ça correct sur database sur MariaDB, mot de passe ça correct, nos bases de données correct tout, on peut toujours vérifier base de données. Bon, mes informations étaient là, donc on peut juste vérifier là. TNP DB user p@ssw0rd André. Oui, donc TNP NCDB c'est comme ça les relais, pas un problème. Donc TNP NCDB localhost finish setup et là on t'a supposé en forme. Donc tu vois ça au bon, comme ça au moins ou même si vous avez un problème, vous savez pas qui ça vous fait pour résoudre les. Juste pour un petit temps mais tout va en forme. Voilà, donc là moi arrivé dans page administrateur Nextcloud noir. Donc Nextcloud noir fonctionne à 100%. Donc là, Lido, donc et safe home for all your data. Donc ma fait suivant. Nous va qu'on donner sur serveur Nextcloud là. Ou qu'a même donner ça disponible et sur téléphone ou quel que soit téléphone utilisé là et sur ordinateur quel que soit ordinateur gain Mac, Linux, Windows. Donc il est très pratique. Voilà, me fait suivant et me start using Nextcloud. Voilà, donc généralement on fait que dans Nextcloud, c'est ça. Ou gagne comme données qui déjà sur lui, ou gagne folder ça yo, ou gagne fichier ça yo. L'application généralement là vient là, vient dans apps. Donc ou gagne en pile application que vous capable toujours capable et installer intégration ou gagne pour intégration monitoring multimédia.
Donc, probablement, je vais faire un quatrième tutoriel qui va montrer justement comment pour nous utiliser Nextcloud. Mais 1, 2, 3 à montrer nous comment nous configurer la plateforme là. Probablement 4 ans on va montrer nous qui vient pour nous personnaliser Nextcloud noir, bah, changer l'image, mettre le logo panneau et puis créer utilisateur, bah, utilisateur quota et puis installer l'autre plugin qui va permettre que serveur 1 vienne un serveur complet qui va manquer rien. Ok, et l'autre bagage c'est nous vérifier là, ça que cette fois ça va pas bon, les canbay ont série de problèmes qui méritaient résoudre. Nous parlons dans settings. Nous parlons dans Overview. Voilà, donc malheureusement, les bio, donc nous avons une série de erreurs que nous supposons corriger. Et parce que l'autre a supposé qu'il y a un checkmark en vert qui doit que tout bague en forme. Donc, je pense que le tutoriel est déjà assez long, même pas quitter ça pour me faire l'autre tutoriel là, je vais faire le tournoi là pendant nous là. Donc, on a fait bien vite. Donc, pour les dire que c'est memory limit là, les trois petits, parce que les supposé au moins 512 MB. Parce que serveur ça par défaut lui autorisé pour un monde à upload un fichier même si le fichier a pesé 512 MB donc maximum là 512 MB actuellement la limite là plus bas donc faut que nous augmenter pour au moins lui autoriser mon upload fichier ça sinon chaque fois on essaie upload un fichier qui loue comme ça serveur bio donc pour nous faire ça et nous pour aller dans utiliser WinSCP et nous pour aller dans Etsy. Et si nous pouvons aller dans côté PHP, nous pouvons aller Etsy PHP, voilà. Nous pouvons aller dans 7.2 qui c'est version PHP qui est sur le serveur. Nous pouvons aller dans Apache tout. Donc ça fait généralement, on préfère installer Nextcloud, mais pourquoi on veut comprendre exactement côté pour me joindre chaque fichier que je cherche, contrairement avec le CIL. L'île Ubuntu qui tout installé pour compte donc là ça pratiquement il faut chercher à gauche à droite côté pour venir fichier donc et là et puis vous pouvez aller dans fichier Inisa donc PHP Inisa c'est une balle modifiée donc pas oublier que l'idée non c'est memory limit donc n'a fond recherche m'a fait contrôle F capable fond recherche m'a cherché memory limit memory underscore limit find next non revenir al descendre en bas find it. Voilà donc on a pour nous compte que l'ICE 128 alors que l'ICE supposé 512 donc on a remplacé par 512 l'autre bague encore après mon limite là c'est upload max là donc on a tapé upload underscore max max file size donc ma vue qui décrit ça comme ça je vais venir voilà la liste 2 mégabytes alors que nous supposons autoriser et capable de télécharger capable upload ou bien téléverser un fichier même s'il est à 512 mégabytes donc même maximum size affiché est fixé à 2 mégabytes donc vous n'avez aucun problème donc n'a pas mettez 512 mégabytes vous pensez là nous fini n'a fait sauvegarder fermer ça mettre fermer ça si je viens mettre clic dans ça système CTL Apache voilà oui start Apache tout donc on y a le mot refresh ça m'a supposé qu'il y a un premier avertissement ça qui est allé dans le cas oui on a refresh le et voilà donc le premier avertissement allé. Nous avons gagné ça, qui sont deuxième avertissement, donc nous pouvons regarder. Il dit moins que donc c'est problème HTTPS là, donc nous pouvons aller. Ok, nous pouvons aller toujours dans mettre feedback, nous pouvons aller dans Etsy ou bien ETC. Back toujours, nous pouvons aller dans Apache tout. Nous pouvons aller dans site. Enable, oui, ça. Nous pouvons aller dans. Voilà, le SSL. N'a pas edit fichier, ça. N'a pas edit fichier, ça. Pas oublier que c'est là, nous t'es venu, nous t'es mettez information, ça. Bon, le site est available, on vient installer SSL certificate là, donc du tout, copier là.
Nous pour aller n'a pas ajouté deux balles, nous pour aller ajouter. Nabina, on a fait entrer. On a fait entrer, descendre en bas, mettre là. On n'a pas ajouté PES, on va ajouter ça. Pas inquiétez, on va péter ça en bas pour nous dans la description vidéo. Ok, mettre faut monter ça. Mettre fait save. Fait save, on met if module header strict patati patata, pas un problème. Oui, preload ça 1555 2000, 1555 2000, pas un problème. Ok, donc même bas là, on a venu là, on a redémarré. Avant même de nous redémarrer, on a fait que nous activer les, donc pour nous activer les en tête là, parce que même si nous démarrer les pas pour le serveur, les pas pour les signes pas activer les, donc on a tapé A2 end mode ou bien A2 end mode headers, donc nous activer les, donc on y a les dîmes pour activer nouveau configuration. Ça faut que moi one command ça système CTL restart Apache 2, me sélectionner, me copier, me coller, me faire entrer. Voilà, qu'on y a si moi venir sur serveur ça. Fait refresh, on a supposé gagner l'autre avec dispense à caler. Voilà, avec dispense à aller. L'autre bain, on va le faire qu'on y a, donc c'est le dis-moi, no memory cache. Donc, nous pas gagner memory cache. Pas de problème, nous pouvons installer un programme qui a géré ça pour nous. C'est un programme, c'est PHP-APCU. Donc, non, 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 c'est pas ça. Donc, on a tapé apt install. Je vais me dire non. Donc, c'est PHP-APCU. Donc, on a installé ça. On a fait un tout dit yes. Pour ne pas m'en demander encore. On fait entrer. Voilà, il finit d'installer les. Donc, on a redémarré le serveur. Je vais démarrer, donc on a pris start à partir tout. Voilà, à partir de démarrer, m'a vérifié. Refresh. Est-ce que c'est l'avertissement ça allait? Pour cache là. Il est toujours là. Pas un problème, l'autre bain, on ne peut pas le faire. Ok. Donc, on a venu sous. Mettre fermé ça. Nous avons fini dit déjà. On a fait back, nous pour aller dans ok, nous pour aller dans var, nous pour aller dans var 3W HTML, nous pour aller dans config, nous pour aller config.php, nous edit ça, moi qui fichier nous pour l'ajouter là-dedans, et n'a pas ajouté un fichier dans fin net. On a venu là, on a fait entrer, on a prononcé un fonceau de ligne, on a venu là, on a fait CTRL V, donc on n'a pas ajouté même cache.local, donc même commande ça. Je me dis là, la pampa dans la description, donc nous pas besoin de quitter nous. On fait save, et puis oui, on a juste venu, on a démarré Apache. Si je viens là, il est supposé aller. Ça est supposé aller. On a fait refresh. Et voilà, il est allé. Nous étions pour nous. De ça. Et ça dit nous, c'est. Donc, ça, c'est un seuil de fichiers que nous pouvons juste assurer que la valeur est correcte et que vous pas commenté. Parce que si vous commentez, c'est pas qu'à appliquer. Donc, nous pouvons regarder. Si vous commentez, nous pouvons décommenter. Si la valeur n'est pas ça, nous pouvons changer la valeur. Nous pour aller, nous avons toujours venu là. On va fermer ça. Toujours, nous avons compte que Jean, c'est plus facile. S'il n'est pas avec W, avec WinSCP, nous avons compte que c'est très facile avec WinSCP. Si nous n'avons pas de WinSCP, donc nous sommes obligés de faire directement. Nous n'avons pas dit, nous sommes obligés de nano
D'abord, je mettais Nano devant le répertoire, ça où je suis rentré dans le répertoire, je fais changement, mais avec une SIP comme sur mon interface graphique qui va être plus ou moins, faire changement plus facile. Ok, donc je retourne, je vais aller dans Etsy, voilà, et PHP, PHP, c'est PHP. MNOP, voilà, version PHP 7.2, je vais aller dans Apache tout, je vais aller dans même folder, c'est fichier ça, comme je t'ai dit tout à l'heure déjà. Ok, si moi regarder là, je vais faire le contrôle F, je vais pop cache, je vais juste chercher les. Ouais, ben, café, t'es juste copier tout ça. Maintenant, on ouvre Notepad. Maintenant, on ouvre Notepad. On colle là-dedans. Mais ça a supposé égal. Donc, on y a mon ça. On met ça comme ça. Donc, là, on a gagné Up Cache. Finalement, je vais chercher les. Je suppose égal à 1. L'égal à 1, mais je vais regarder les commentaires. Je vais retirer les commentaires là. Point virgule qui devant là, je vais retirer les. Après ça, je vais gagner ça. Je suppose égal à 1. Find next. Il va revenir. Find next. Il va revenir. Down. Find next. Ah, il est déjà là. Maintenant, là. Donc, ma peux effacer comme maintenant, ma mettez ça égal à 1. Et ça lui dit, je suppose égal à 1. Oui, retirez le commentaire là, et puis, mettez-le égal à 1. Après ça, moi gagner ça. Relever, find next. Voilà, maintenant, retirez le commentaire là, devant lui. Je suppose égal à 8, déjà égal à 8, pas de problème. Je vais venir là, ça suppose égal à 10 000. On doit lever, fine. Je vais venir là, il est égal à 10 000. Je vais juste retirer le commentaire qui est devant là. Up cache memory consumption, je suppose égal à 128. On va regarder est-ce que c'est ça lié. Nous cherchons copier-coller, donc, le plus rapide comme ça. Pendant ma fête là, moi gagne caméra moi qui déchargé. Donc par contre qui côté, donc là mon vieux se rebrancher lui, donc maintenant qui parti caméra est déchargée. Mais c'est pas grave, cependant je pense comme on a bien enregistré. Donc là nous avons Up Cache Memory Consumption, on a cherché lui. Il n'est pas revenu, m'a dit chercher le qu'on a dans l'écran là. Il est revenu, donc il est égal à 128, mais il est commenté, donc m'a retiré commentaire là. Et puis après ça, moi gagne up cache save comment, il suppose égal à 1. C'est pas moi qui dis, c'est Nextcloud qui dit. Donc, on a cherché lui, il va venir de chercher là-bas. Là. Il va venir où il est égal à 1, mais il est commenté. Donc, on a retiré. On a un comment, on a retiré le commentaire là. Il dit une fréquence là. Up cache revalidate, contrôle V. De chercher lui, il va venir de chercher l'en l'air dans ce cas, les journées, il suppose égal à 1, ça égale à 2. Donc, on va mettre 1. Et puis, on va retirer le commentaire là. Retirer point virgule qui est devant là. Bon, c'est nous fini. On va minimiser ça. Qui ça le dit encore, that's it. Voilà. Donc, on va faire sauvegarder. On va fermer ça. On va fermer ça. Minimiser ça. On va venir dans Podi. Avec n'importe quelle map, nous disons avant de le faire, redémarrer Apache. Redémarrer Apache, et puis quand on va venir toujours sur le serveur Nextcloud, on va refresh, tout ça, on est supposé aller. On va regarder si c'est vrai, on va croiser les doigts. Et voilà, on va tout aller. Donc là, quand on a une qui dit moi que File Cache, conseil de colonne base de données qui gagne Big In. Qui manque pas donc ça facile
Ça n'a fait, n'a pas juste venir là, n'a pas fait une commande pour nous convertir tout en seul coup. N'a pas. Parce qu'il est dit que sa commande supposée, et si nous gardons là, il est dit non pour nous. Côté. Voilà, il est dit non pour nous one OCC db2.convert dash file cache dash big int etc. Donc c'est ça. Donc mais nous pas qu'à lancer comment ça comme ça parce que si nous lancer comme ça va pas marcher. Donc il n'a pas ajouté dash u devant lui parce qu'il a oublié que nous mettons MariaDB. Donc faut que nous dire que c'est un MariaDB pour lui lancer lui avec qui utilisateur. Nous dire qu'on est tout utilisateur qui gagne droit sur folder ça c'est www-data. Donc c'est avec qui vous le faites. Donc voilà, nous venons là, nous mettez commande là. Donc c'est tiret u espace www. Donc c'est fait là avec qui user. Donc ça c'est fait là avec user ça www-data php et puis reste pareil au din faire. Donc le din c'est qui ça, c'est OCC DB paratipalata. Donc c'est lié à nous mettre là OCC DB paratipalata. Donc nous venons là, nous juste faire entrer et dis-moi comment not found. Je vais juste vérifier est-ce que moi voilà. Donc c'est OCC. Ah, ok, ça m'a fait, m'a mettez sudo devant pour moi parce que je me dis de faire avec user ça, mettez sudo devant lui pour moi. Et sudo, parce que puisque je me dis avec user ça vous le faites, donc il n'est pas fait avec out encore, donc probablement sans sudo il n'a pas marché. N'a testé avec sudo. Et voilà, donc la marché, quand il m'a dit est-ce que moi ça me le fait, moi je dis oui. Et voilà, il fait lui. N'a pas démarré Apache. On va venir là, mettre la grande ouverture à l'intérieur, on va refresh, tout va être supposé en forme qu'on a. On va croiser deux noms comme d'habitude, croiser. Et voilà, donc all checks passed, donc c'est que nous gagnons check vert là qui dit que tout va être en forme. Donc c'est ça, bon, c'est nous durer assez longtemps, donc on n'a pas besoin de faire plus de bagailles. Donc m'a dit nous merci pour l'attention. Nous. Et puis si nous avons rencontré un problème pendant l'exécution du tutoriel, ça n'a pas hésité. Écris-moi en bas dans le commentaire là pour nous dire ça. Et puis j'aime toujours dire, si vous avez des amis ou famille qui aiment la technologie, qui est intéressé par tout ça, va faire là, donc pas toujours inviter à aller abonner à la chaîne là. Donc toujours continuer à faire promotion pour la chaîne là. Et puis j'aime toujours dire, si vous avez des amis qui ne font pas qu'à faire lire, donc pas hésiter à demander moi pour me faire un tutoriel sur ça pour vous. Je vais tout faire pour mon plaisir pour moi faire lire. Pour nous, donc c'était toujours moi-même Abraham Espérance de Tech Plus. M'a dit nous merci pour attention et m'a dit nous bye bye et à très bientôt pour troisième partie après que nous pourrons installer collaborer online qui permettre que sous serveur ça nous sommes capables de créer modifier documents Word Excel PowerPoint sans problème. Actuellement là nous qu'à upload documents ça yo, mais nous pas qu'à créer yo, nous pas qu'à modifier yo sous serveur ça. Donc avant semaine ça a fini, donc probablement dans maximum 48 heures je vais venir avec la troisième partie, côté que je vais vous faire tout bail ça. Donc, je vous dis bye bye et à très bientôt.